despotisme, 36 ans de tribalisme. Voilà ce que Biya nous a donné. Parfois, je me pose la question, qu'est-ce que cet homme a apporté de bien dans cette nation? J'ai envie de vomir. Quand je vois comment un président peut être aussi calme, comment un gars peut être aussi stupide, comment un chef d'État peut être bête comme ça. Et je me dis, nous, Camerounais, c'est à nous la faute. Nous avons formé et encouragé un dictateur pendant 36 ans. J'ai mal. J'ai mal parce que je me dis, qu'est-ce que nos parents ont vécu? Comment ils ont vécu? Qu'est-ce qui s'est passé? Un gars stupide comme ça, c'est au destiné du Cameroun. Et il est là, debout. Il y a quelque chose qui fait mal. Il y a quelque chose qui fait mal quand même. Qui fait mal. C'est notre silence. Il y a combien de Camerounais à Paris? Il y a combien de Camerounais? Vous faites quoi chez vous? Vous croyez que nous, moi j'ai quitté de l'Allemagne 600 km. J'ai travaillé jusqu'à hier à 18h. 18h, j'ai pas dormi. Le temps de prendre une douche, de faire comme ça, j'ai même pas mangé. Après, j'ai dit que bon, si c'est pour chasser Biya, demandez-moi de conduire jusqu'à... Je vais conduire. Mon frère, tant que la révolution est en marche, et tant qu'il y a l'élan, tant que tu sens que tu peux donner quelque chose pour que le vieillard la tombe, mon frère, on n'hésite pas. On n'hésite pas. Donc j'invite toute la population française, ceux qui sont encore à Paris, ici,